Hey yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift. Ça fait longtemps qu'on s'est vu sur Wild Rift, les amis. Aujourd'hui, on va faire une petite game sur Olaf. Donc, c'est une rediffusion du live que j'ai fait hier. Donc, voilà, là, c'était une petite game en bas elo, hein. J'essaie de remonter, bien évidemment, de mon platine là, vers les meilleurs elo. Alors, petite présentation avant pour vous expliquer deux, trois petits trucs. Voilà, la raison de mon absence là pendant 2 mois. En gros. Je me suis blessé à la main gauche, ce qui fait que je ne pouvais plus jouer à Wild Rift, puisque jouer à Wild Rift à une main, c'est pas possible. Ce qui fait que malheureusement, voilà, il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps. C'est pas que le jeu me plaisait plus, c'est juste que je ne savais plus y jouer. Donc, dernière saison, malheureusement, c'est 17 games, 88% de win rate, platine 1, et je m'en suis arrêté là. Et du coup, là, ouais, je suis redescendu en gold, hein, bien évidemment. Donc, j'essaye de sortir du gold. Je fais quelques lives ici, je reprends quelques lives. J'ai quelques jours de congé, donc je reprends quelques lives sur Wild Rift pour pouvoir justement remonter et vous proposer un peu plus de contenu sur le jeu. Alors, justement, c'est pour ça que je vous fais l'introduction. J'ai plusieurs questions. Et donc, j'espère que dans les commentaires, vous arriverez à me répondre, que vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et en même temps, rejoindre le Discord. Lien ci-dessous dans la description pour venir en discuter avec moi, soit sur le Discord en public, soit en MP, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le jeu? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous voulez voir que du gameplay? Est-ce que vous voulez voir que du gameplay commenté? Est-ce que vous voulez absolument du live commentary? Ou est-ce que vous aimez bien quand je fais un post commentary? Est-ce que vous voulez voir quelqu'un qui monte? Justement, comme moi je suis en train de le faire, quel champion utiliser pour monter en elo? Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez voir plutôt que du haut niveau? Quand je parle de haut niveau, je parle vraiment de master, grand master, et encore, j'ai pas le niveau grand master, je suis même pas sûr d'avoir le niveau master, donc il faudra se contenter du diamant, peut-être avec moi, mais peut-être justement voir comment je peux faire pour continuer de m'améliorer. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, ce que vous aimeriez voir. Au niveau des Trouve ton main, je sais que la série n'est pas terminée et elle ne s'arrête pas. Et j'ai encore beaucoup de champions à faire. Et là, je vais vous solliciter. J'ai déjà sollicité Nate Cirque, hein, qui va m'envoyer quelques gameplays encore, comme il l'avait fait avec Lee Sin. D'ailleurs, un grand merci à lui. Mais donc, en gros, j'aimerais savoir si, dans l'opportunité que vous avez, pouvoir filmer vos games en direct sur les champions qu'il me manque et le niveau émeraude diamant. Voilà, quand même un niveau de jeu où on regarde sa map, etc. Pas que je veux pas du faire, mais bon, voilà, t'as compris les bases. Donc ça, c'est l'idée. Pas forcément en ranked, hein, vous pouvez les faire en JCJ, moi ça me dérange pas du tout, mais que vous soyez bon sur le champion que vous allez me proposer. Que ce soit pas votre première tentative, parce qu'alors, autant que je les fasse moi et faire un 0-10 avec le champion et ça passe. Mais c'est pas ça que je veux. Donc je veux que vous connaissiez le champion, que vous soyez bon avec, éventuellement que vous me fassiez un petit résumé du champion et que vous m'envoyiez la game. Donc filmé en direct, pas en rediffusion et si possible avec le son du jeu, pas de votre micro. Voilà. Ou s'il n'y a pas de son de jeu, je m'en fous, même sans son. C'est pas dramatique ça. Mais voilà, quelque chose de propre. Vous m'MP sur Discord, vous me dites le champion que vous voulez m'envoyer. Je vous donne l'adresse mail qui correspond via WeTransfer. Vous me l'envoyez sur l'adresse mail qui correspondra. Et comme ça, on pourra s'entendre. Bien évidemment, il y aura une petite dédicace. Éventuellement, la personne pourra venir en vocal avec moi pour présenter le champion. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, je ferai en sorte que ce soit un petit peu plus dynamique pour remercier aussi les personnes qui feront ça. Encore une fois, ce sera de la construction, d'accord? Donc on va faire vraiment une analyse de game constructive. Je veux pas que les gens se moquent ou autre. Si la personne a fait une erreur, bon, on pourra la voir ensemble. Si elle a super bien joué, ça fera un move qu'on pourra justement détailler ensemble. Et donc voilà, ça, ce sera le but principal. Pas de démonter, mais plutôt de créer et donc encore une fois d'apprendre un nouveau champion sur la chaîne. Voilà, j'attends un petit peu vos retours de tout ça dans les commentaires ou sur mon Discord. En attendant, j'espère que la petite vidéo qui suivra avec le Olaf toujours aussi broken, hein, donc là je parle pas du petit Olaf de la Reine des Neiges, hein, je parle vraiment de celui qu'il faut enfermer là, hein, parce que vraiment le perso est juste broken, il y a de quoi faire avec Olaf. Moi, je pense que je vais continuer de le jouer pour vraiment monter. Si vous voulez un perso facile à jouer pour monter en elo, clairement, jouez Olaf. C'est très très fort. C'est pas très facile à counter en bas elo. Et honnêtement, voilà, dès qu'on veut vous cheese, et je pense justement, il y a un beau cheese dans la game qui foire. Voilà, je vous spoil pas plus.
ça peut tout de suite renverser une game et faire en sorte que votre game à vous, elle se mette très très bien. Donc Olaf, champion vraiment broken. N'hésitez pas, si vous êtes calé en Elo, allez voir ma vidéo Trouve ton main Olaf. Je mettrai le lien tiens, à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir et apprendre à mieux jouer le champion. Je vous fais plein de bisous les gars, je vous souhaite un bon visionnage sur cette vidéo et je vous dis déjà à très bientôt pour une nouvelle. Ciao tout le monde. Il va y avoir des dingueries en gold. Ouais, attends, frérot, parce que t'es pas prêt, hein. T'es pas prêt. Je dois rejouer sur ce téléphone-là. J'ai l'impression d'avoir un vieil Alcatel à côté de mon ancien Xiaomi, là, tu vois. Il est tout petit, putain. Du coup, j'ai pas du tout l'habitude de jouer là-dessus. Ah bah voilà. C'est ce que je disais. Après, je suis gold 1, donc c'est normal de tomber avec des plates. Mais ouais, donc là j'essaye de réapprendre à jouer tranquille là sur un petit téléphone. C'est pas facile du tout quand t'as eu l'habitude de jouer sur un très grand écran. Bon après j'ai pas des grandes mains non plus, tu vois, donc ça devrait passer. Mais voilà, il va falloir juste que je me remette en habitude sur ce téléphone-là. Et puis ça devrait aller. Ouais, j'aime bien prendre Ghost sur Olaf. Le côté reset du ghost quand tu prends des kills et tout, je trouve ça vraiment fort. Surtout sur un perso comme Olaf qui a déjà de la movement speed augmentée avec tout ce qu'il peut avoir, hein, notamment son slow premièrement qu'il met sur les autres et son R qui lui donne un petit peu de truc là. Donc il réduit l'armure maintenant. Intéressant. Intéressant. Bon, donc les gars, voilà, le gameplay. On va essayer de se. Oh, what? Mais il veut quoi lui? Il m'a ignite. Salopard. Un smite pour reprendre de la vie. Les gars? Les gars? Voilà, magnifique. Bon. Premier sang sur lui, c'est un peu chiant pour moi parce que du coup j'ai pas eu mon raid, mais why not? Bon, du coup j'ai perdu un peu d'XP, mais en vrai ça va. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il fasse ça, genre. Bon, on va grid, hein. Je suppose qu'il va pas revenir bot side, il va aller vers son top side. Apparemment, c'est le cas. Oh, j'ai pas l'habitude de. Ok, je peux peut-être avoir deux carapateurs, ça me remettrait bien en XP. Je sais pas dramatique, je m'en fous. Merci. Ça va loin la botlane. Ok, d'accord. Très bien. Première dinguerie au bout de 20 secondes. Bah frérot, ouais, j'ai pas compris quoi le Graves là, ce qu'il a fait. Mais pourquoi pas, hein. Je savais qu'il avait pas de flash, pas de ghost, vu qu'il a pris Smite Ignite, donc ça allait se passer plutôt bien pour moi. Hein. Mon Panthéon est pas trop mal du tout. On va prendre le phage, la brillance, et reparti. Je farm un peu et puis je vais essayer de gank. Je vais essayer de gank ce que je peux gank. On va se remettre ici au cas où.
N'empêche, son cheese, il aurait pu passer, hein. C'est parce que j'ai fait attention qu'il avait l'ignite et qu'il me l'avait claqué que j'ai pu resmite pour récupérer ma vie, parce que sinon, effectivement... Oula! What the fuck? Ça a lag, là. Je sais pas si ça s'est vu, mais ça a bien freeze chez moi. Va y aller, ouais. Non, j'ai fait de la merde. Sorry, bro. Là, j'ai vraiment fait de la merde. J'aurais dû tanker. C'est pas grave. Je vous l'ai dit, les gars. Hein, il va y avoir du niveau. Hein. Ok. Il y a le Graves là. Sortir un peu. Je vais juste nous back. Ennemi tué. Je me régène. Voilà. La bonne régène. Voilà, tout ça, tout ça. On en profite. On est en bas niveau. Ça passe. Est-ce que mon bac peut passer là? Il sait que je suis là. Fils de chien. Il m'a buté. NP. Ça va bien se passer. Oh la reprise, bah ouais, on essaye frérot. Salut Micron, ça fait longtemps, comment ça va frérot? Bienvenue sur le live, bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement devant un noob jouant à League of Legends Wild Rift depuis la première fois, depuis 1730 avant Jésus-Christ. Ah c'est dommage. Son flash H24, lui. Oups, j'aurais pu lui laisser. C'est pas grave. On va continuer de farmer un peu. Mais je vais très bien. Je vais très très bien, je reprends un peu du secteur, Wild Rift, Marvel Snap aussi qui va commencer à sortir un peu plus souvent sur la chaîne. Même si j'ai bien conscience qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop le jeu. Moi je le trouve sympa donc je vais le jouer un peu plus. Faut laisser le tomber la tourelle, laisser les push, je vais aller les chercher.
Ils auraient dû laisser push. C'est pas grave. Ouais. On s'en fout, je back. Il a vraiment ulti pour avoir le bleu. D'accord. C'est original. J'ai vidé sa jungle, hein, il est mort donc. Parfait. Je repush une wave et puis je vais back. On va aller jouer le Drake. Pas ça, je vais au moins prendre le Herald, enfin le petit truc là. Voilà, on va aller chercher le héros hein. Oula oula, il nous fait des dingues. Ouais, il nous a fait une dingue. Le raid, comme ça Caitlyn pourra venir le chercher. Salut Doc, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Ok, on va prendre le bleu et on va leur filer. Oh. Allez, back. Le Sterax, on va partir sur plaque du mort, let's go. On va dépêcher.
Et... Allez hop, elle est faite. Ah, le bon Herald qui fait plaisir. Victoire.